pas bien là. Bon, bah, comme d'habitude, toujours bredouille. On est super bien là. Ah, au fait, à propos, on a changé, on a acheté une table un peu plus grande. Du même modèle qu'on avait présenté, mais de taille pour 4 personnes. Cécile trouvait que c'était un peu trop petite. Allez là. Voilà, je m'en sers pour le matos de la pêche. Hugo, il est là. Derrière moi, et ben on est très très bien ici. Nous déranger, je pêche juste à côté. Ça devrait aller. J'ai un peu peur. Camping-car van. En fait, c'est une base de van avec la porte latérale, avec la capucine rajoutée au-dessus. Coque. Original. C'est allemand. Un pot sol. Sympa. Toujours la même astuce hein, pour remplir l'eau. Avec une petite pompe 12 volts. Tranquille, sans effort. Donc. Donc on est bien tombé sur une belle petite aire de camping-car au bord de l'eau, hein, comme vous avez vu déjà. On peut mettre quand même pas mal de camping-car. Alors moi ce que je trouve ça bien dans les aires de camping-car nautique, en général, on a chaque prise et un robinet pour chaque emplacement. Et moi je trouve ça pas mal parce que c'est pratique. Alors, niveau accès pour aller au centre-ville. Ici, vous voyez, il y a un colimaçon, un escalier. Voilà. Ou soit de l'autre côté, ici, un escalier. Donc, on va faire une petite promenade. Alors, à notre disposition, nous avons des toilettes en face. On est samedi soir. Il y a du monde. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, c'est trop serré, etc. Mais je trouve que c'est assez convivial et c'est tous des petits pêcheurs en fait, enfin des petits, c'est tous des pêcheurs et franchement on a de la chance ce week-end, il fait très beau. Alors ce qui est pas mal aussi, il y a des halls là et a priori des fois ils font des petits banquets à l'abri. Alors il y a un petit ruisseau aussi de ce côté là, franchement c'est vraiment mignon. Alors les heures d'ouverture des sanitaires, 8h-20h. Et là-dedans, donc ce que je disais, c'est que les douches sont payantes. 1,20€, je crois, un truc comme ça. Avec, alors ce que j'ai vu, c'est assez moderne. Alors, avec un digicode. Donc je pense que dans le ticket, il y a le numéro. Et vous avez l'accès à vos douches. Les sanitaires, les urinoirs. Allez, un lavabo, sanitaire et franchement propre. Alors, un pour les femmes et handicapées et un pour hommes. Voilà, et franchement c'est propre. Pourvu que ça dure. Là c'est pareil, une douche pour handicapés, hein. Il faut y penser aussi, c'est pas mal, c'est très bien fait. À souligner, c'est pas souvent comme ça.
Et là, c'est le. Alors, franchement, j'aime bien ce petit hall-là. Qu'on peut se poser. Et là, j'adore ce petit ruisseau qui est à l'opposé du canal. Là, et franchement, il est magnifique. C'est super mignon. Ça a du charme. C'est un jeu de mots. C'est la belle vue quand même, hein. C'est sympa. Hein. Beau petit coin, hein. C'est magnifique. Hein. Je sais pas c'est quoi comme rivière là. Je vais vous dire ça. Je pense que ça va être noté quelque part. Sinon je le mettrai dès que je trouve le nom. Allez, on quitte l'endroit. Au revoir Charme. Ah oui Charme. C'était bien charmant. Donc là, il faut l'identifiant pour sortir, semble. Identifiant, voilà, tout c'est sur l'étiquette. Je sais. Le ticket ici avec l'identifiant. Alors pourquoi ça sonne? Parce qu'on n'a pas mis les ceintures. Voilà. Pas encore. Alors comment ça fonctionne? Voilà. Donc tu vas me dire en gros. Alors il faut saisir le code. Alors 68, 64, 73, dièse. Temporaire, non définitif 2. Ça y est. Bah, c'est bien fait. Au moins là, ça fonctionne. Ouais. En fait, tu peux faire temporaire aussi, tu vois, genre tu vas faire des courses. Ouais, quand tu as payé ta place, tu peux revenir dans la journée, aller et repartir. Et avec l'identifiant, bah, on a l'accès pendant 24 heures. On peut voilà. Entrer, on rentre sortir. À la maison. Allez, on vous laisse. C'était un beau petit week-end en plus. Franchement, il a fait super beau, donc ouais. Bah, tant mieux.